Bonjour, si vous avez une vidéo en format MKV et vous ne pouvez pas la lire sur différents appareils, soit iPad, iPhone, Android, tous ces appareils-là ne permettent pas de lire nos fichiers en format MKV. Et même certains lecteurs de vidéos tierces ne permettent pas de lire notre vidéo MKV. Donc dans ce cas-là, vous demandez peut-être comment puis-je faire pour pouvoir profiter de la qualité de mes vidéos qui sont en format MKV. Et vous demandez peut-être s'il existe des convertisseurs de MKV vers le MP4 qui est pris en charge par plus d'appareils. Ça tombe bien, vous êtes dans la bonne vidéo. Car le transcodage des vidéos devient de plus en plus facile et rapide lorsque vous avez un convertisseur vidéo. Donc restez à la fin pour découvrir tous les convertisseurs et aussi n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir et qui aide la vidéo à mieux se référencer. Avant de commencer la présentation des meilleurs convertisseurs vidéo qui vont vous être très utiles pour pouvoir rendre votre vidéo accessible dans tous les appareils que vous avez. On va voir la différence entre le MKV et le MP4. Il faut savoir que le MKV, connu sous le nom de Matroska, a plusieurs avantages. Parmi eux, il est open source. Donc il faut savoir que MKV il est open source, donc gratuit. Il est utilisé beaucoup plus en format HD, mais il reste évolutif, donc on peut améliorer sa qualité, soit visuelle ou audio. Il est utilisé par différents sites web, il est aussi connu sur le format web, plus gratuit et haute qualité. Le format qu'on connaît tous, qui est utilisé par la plupart des gens, c'est le MPEG-4, connu sous le nom MP4, c'est son abréviation. La force majeure de MP4, c'est qu'il a une large compatibilité, donc il est compatible avec différents appareils. En plus, il a un haut degré de compression, sans perte de qualité. Maintenant, on va passer directement à la présentation de nos meilleurs logiciels qui vont nous permettre de convertir notre vidéo MKV en format MP4. Donc, on a EasyUS Converter. C'est un convertisseur simple et rapide, MKV à MP4. En plus, il nous vient de chez notre sponsor de cette vidéo, EasyUS, qu'on a l'habitude de voir ces logiciels de haute qualité, que je vais remercier dans cette vidéo. Merci pour votre soutien continu. Donc, si vous cherchez un convertisseur simple, celui-ci pourra faire le. Donc, si vous cherchez un convertisseur simple, celui-ci de EasyUS Video Kit, il propose ici un convertisseur simple d'utilisation. Il suffit juste de glisser déposer notre vidéo pour pouvoir la convertir. Il faut savoir aussi qu'il prend en charge plusieurs formats de vidéos. On a ici le MKV, le HEVC, le MOV, jusqu'à 100 formats de vidéos différents que vous pouvez choisir et convertir votre vidéo avec ce logiciel de EasyUS Video Kit. Il faut savoir aussi, lorsqu'on va convertir notre vidéo, en cliquant sur convertir, le logiciel il est payant, mais l'avantage de ce logiciel là c'est que on va pas constater une perte de qualité. Le deuxième logiciel qui va nous permettre de convertir nos vidéos, c'est EasyUS Video Editor, qui est considéré comme l'un des meilleurs convertisseurs qui va nous permettre aussi de convertir les vidéos MKV en MP4, en plus de ça gratuitement. Et oui, EasyUS Video Converter, c'est le meilleur convertisseur de vidéo. Il suffit juste de cliquer ici et d'importer notre vidéo, de l'importer ici sur notre timeline. Il prend en charge aussi plusieurs formats de vidéo et on peut l'installer sur notre système Windows, comme vous le voyez ici. En plus de ça, lorsque on veut convertir notre vidéo, on pourra l'éditer, par exemple, comme cela réduire la taille de notre vidéo, la couper, supprimer une partie et beaucoup d'autres modifications qu'on pourra effectuer sur notre vidéo en format MKV et cliquer sur exporter. Donc, quand on clique sur exporter, on pourra ici choisir notre format vidéo audio. Par exemple, ici, on va choisir le MP4. Il y en a aussi d'autres formats qu'on pourra sélectionner, choisir la qualité et cliquer sur exporter. Il faut savoir aussi que ce logiciel permet de convertir notre vidéo gratuitement. C'est pour cela
qui est considéré parmi les meilleurs logiciels de conversion gratuits. Le troisième logiciel, c'est le logiciel qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est le fameux VLC. C'est un convertisseur qui va nous permettre de convertir notre vidéo MP4 en KV ou MKV en MP4. En plus de ça, il est gratuit. Quoi demander de plus? En plus, il va nous permettre de lire nos vidéos. Le troisième moment, c'est on va ouvrir VLC. Donc, lorsque on parle des formats vidéo complexes, par exemple le MKV, nous devons ici parler de VLC Media Player, qui est l'un des rares lecteurs multimédia compatibles avec MKV sur le marché. On dit que le VLC reste le choix préféré des gens pour lire les vidéos MKV. Donc, pour pouvoir lire, il suffit juste d'ouvrir notre fichier multimédia par ici et entamer la lecture de notre vidéo. Il permet mieux que ça, car dans Media et convertir enregistré, ici, il va nous permettre de convertir notre vidéo. Juste d'importer notre vidéo et cliquer sur convertir, choisir le format ici, le MP4, et cliquer sur parcourir pour choisir l'endroit où on va sauvegarder notre vidéo finale et cliquer sur démarrer pour pouvoir convertir notre vidéo. L'avantage du VLC par rapport au convertisseur EasyUS sur d'autres convertisseurs, c'est qu'il est multiplateforme, donc on pourra l'installer sur Mac, mais il prend un peu plus de temps pour pouvoir le convertir. On a aussi le meilleur convertisseur MKV ou MP4. Ce convertisseur-là, qui s'appelle Premute, il est dédié au MacBook. Pour ceux qui utilisent le Windows, l'un des meilleurs convertisseurs qu'on peut retrouver chez Windows. Pour les utilisateurs du Mac, l'un des meilleurs convertisseurs qu'on peut installer sur Mac, il s'appelle Promute. Ici dans Promute, commencez d'abord par l'ouvrir. On est dans la version 3, qui est un convertisseur polyvalent car il peut traiter n'importe quel format de vidéo. Par exemple celle-là, il suffit juste de poser et glisser, cliquer sur OK, choisir le format qu'on veut. Par exemple, on a les formats dédiés spécifiquement au TV MP4 HEVC pour les iPhone X, etc. Ou convertir notre vidéo en audio. Nous, on veut MP4 et cliquer ici pour commencer la conversion de notre audio. Donc, c'est simple, gratuit et facile. En plus, il traite les formats sans perte de qualité. Maintenant, on va passer au convertisseur en ligne. On arrive au cinquième logiciel. Donc ici, c'est des sites, car il est en ligne. C'est ConvertFile MKV, qui va nous permettre de convertir nos vidéos MKV to MP4. C'est un site en ligne, simple, pas besoin d'installer un logiciel, c'est l'avantage des convertisseurs en ligne. Donc, si vous voulez convertir votre vidéo en ligne, l'un des meilleurs convertisseurs qu'on pourra installer, c'est ConvertFile. Comme vous le voyez ici, avec une interface simple, il suffit juste de cliquer sur Browse pour pouvoir sélectionner notre vidéo et choisir ici le Output File, le fichier de exportation. On va choisir le MPEG-4 qui a une large compatibilité des vidéos et vous devez juste cliquer sur convertir pour pouvoir la convertir. Et aussi on peut convertir en format vidéo. Après, il pourra vous envoyer un email dans lequel vous allez trouver le lien de téléchargement si vous voulez, ou directement la télécharger ici. C'est pas le seul, il existe Zamzar. Il existe aussi un convertisseur en ligne avec lequel on pourra convertir nos vidéos. Zamzar, il est puissant et gratuit. Ce deuxième site aussi peut nous faire gagner de l'espace sur notre PC, car il est facile, il suffit juste de choisir le fichier, cliquer sur Convert tout, choisir le format auquel on voudra convertir notre vidéo, par exemple le Move, et cliquer sur Convert now pour pouvoir commencer la conversion. On a aussi Fil Zigzag qu'on a déjà vu dans cette chaîne. C'est un convertisseur qui va nous permettre de convertir nos vidéos MKV tout en MP4. Il est aussi rapide et facile. Fil Zigzag, c'est aussi un convertisseur en ligne connu qui permet de convertir notre vidéo assez facilement. Il suffit juste de cliquer sur Browse, choisir notre fichier et le convertir. Mais il faut savoir que notre fichier ne doit pas dépasser les 50 mégaoctets et cliquer sur Start Converting pour commencer la conversion. On a aussi Online Convert, un convertisseur vidéo gratuit avec lequel on pourra convertir nos vidéos MKV to MP4 pour les rendre plus
compatibles avec nos appareils. Il y a aussi Convertio. Comme vous le voyez ici, Convertio aussi permet de convertir nos vidéos. Choisir ici notre vidéo et après cela, on pourra la convertir. Et aussi, ils ont d'autres espaces de stockage. Par exemple, on pourrait le stocker directement sur le Dropbox, sur le Google Drive, directement avec ce site qui s'appelle Convertio. En plus de ça, il prend en charge les vidéos de grosse volume. Ici, on peut choisir notre format et propose plusieurs formats pour permettre de regarder nos vidéos dans plusieurs plateformes et appareils. En plus de ça, il est gratuit n'importe où et n'importe quand. Le cinquième convertisseur, c'est le convertisseur en ligne. Ici, ce convertisseur de fichiers en ligne va nous permettre de convertir notre fichier audio, de convertir un lien, ou de convertir une vidéo. C'est cette option là qui nous intéresse. Ici on va sélectionner le format cible qu'on veut. Par exemple, on veut MKV, on va choisir notre fichier, on va le sélectionner. Ici par exemple, on va sélectionner le format de notre fichier cible. Pour nous, c'est le MOV, donc je vais choisir le MOV. Et ici, il suffit juste de sélectionner notre vidéo MKV et cliquer sur démarrer pour démarrer la conversion. Il va apporter notre fichier et cliquer sur démarrer pour commencer la conversion. En plus on peut apporter nos vidéos sur le Dropbox et Google Drive aussi. Donc comme vous le voyez ici, on a plusieurs logiciels et sites qui vont nous permettre de convertir notre vidéo afin de la rendre plus compatible avec les appareils qu'on a. Pour les liens de téléchargement pour pouvoir accéder à ces sites et à ces services et à ces logiciels, vous allez le trouver dans la description. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, pouce bleu, c'est très très important de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos comme celle-là où on a vu les meilleurs logiciels d'enregistrement audio. D'ici là, la puce en vous, c'est la peace.